Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser une tarte amande chocolat ultra gourmande et très facile à réaliser. Dans mon saladier, j'ai 500 g de crème fraîche épaisse à laquelle j'ajoute 3 œufs entiers. On mélange. Pour la crème fraîche entière, allégée, utilisez la crème fraîche que vous voulez. Quand mes œufs sont mélangés, j'ajoute 200 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, une pincée de sel. Hop, je la mets tout de suite comme ça, on ne l'oublie pas. On mélange bien. Et vu que c'est une tarte amande, on termine par 150 g de poudre d'amande. Ça va nous donner une très jolie préparation. À ce stade, j'ai enlevé mon fouet pour prendre une spatule et vu qu'on a dit amande chocolat, on vient ajouter 100 g de pépites ou de chocolat concassé. Moi, ici, vous savez que je n'achète plus de pépites depuis un bon moment. Un dernier mélange et notre appareil est déjà prêt. J'ai pris mon moule à tarte, j'ai placé une pâte feuilletée. Mais utilisez une pâte brisée ou celle que vous préférez. Et il ne nous reste plus qu'à venir verser notre préparation sur notre pâte. Et à ce stade, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante comme d'habitude. Et on est parti pour une cuisson de 40 à 45 minutes en fonction de la puissance de votre four. On se retrouve une fois que notre tarte sera cuite. Et voilà ma tarte, elle a passé 45 minutes au four, elle est magnifique. Là, il ne reste plus qu'à la démouler et à la laisser refroidir. Et on pourra se couper une part pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve, ma tarte est légèrement tiède. Je vous ai coupé une part, c'est comme ça qu'elle est le meilleur, enfin que nous on la préfère. Avec le chocolat encore légèrement coulant, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et c'est très facile à réaliser, une petite tarte comme ça pour faire plaisir à sa famille. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.